Exclu. Hélène Ségara et moi aurons un lien indéfectible, Ryan, la France a un incroyable talent 2022, se confie après sa victoire. Après neuf semaines de compétition, c'est Ryan, surdoué du piano, qui est ressorti vainqueur de la grande finale de la France à un incroyable talent 2022. Moins de 24 heures après son sacre, le jeune homme donne ses premières impressions à Télé-Loisirs. Au terme d'une soirée aussi longue qu'intense, Ryan, le jeune prodige du piano a été sacré grand gagnant de cette 17 e saison de la France à un incroyable talent 2022. Le jeune adolescent de 15 ans, placé en foyer et golden buzzer d'Hélène Segara était l'un des grands favoris au titre suprême du concours de talent de M6. La rédaction de Télé Loisirs l'avait d'ailleurs placé à la première place de son classement. Moins de 24 heures après son sacre, l'incroyable talent 2022 est revenu pour nous sur ses sensations et sur son parcours. Le public m'a aimé pour ce que j'ai fait. Télé-loisirs, qu'avez-vous ressenti quand Karine le Marchand a annoncé votre nom Ryan, la joie, la tristesse et la satisfaction se sont mélangées. Je ne pense pas qu'il y ait de gagnant dans cette émission. Tout le monde a gagné à mon sens. Je n'aime pas les compétitions, je ne veux pas me dire que je suis plus aimé qu'un autre par exemple. Ce que je veux retenir, c'est que le public m'a aimé pour ce que j'ai fait et que si j'ai une carrière, des gens me suivront. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous Je pense que c'est par rapport à ma persévérance dans le piano et grâce au message que j'ai véhiculé par mon article. La priorité pour moi était de ne pas décevoir le jury, Hélène Segara et le public. J'ai été Golden Buzzer donc les gens ne m'avaient pas vu depuis un moment. Ils ne pouvaient pas savoir si j'avais progressé ou pas. Pour quelle raison avez-vous mis en scène un décor de gare C'était une sorte de clin d'œil à mon histoire. J'ai commencé à exercer dans des pianos de gare. Aujourd'hui, je suis au conservatoire. Pour boucler mon histoire, je voulais venir en tant que pianiste de gare avec, néanmoins, une musique différente de la première. Hélène Ségara n'est pas qu'une simple juge. Avez-vous eu un retour des membres du jury Oui. Ce sont tous des personnes que j'aimerais suivre et avec qui j'adorerais travailler. Hélène Ségara et moi aurons un lien indéfectible. Ce n'est pas qu'une simple juge, elle m'a donné beaucoup d'affection. Le fait de m'avoir donné son bijou pour me porter bonheur m'avait aussi beaucoup touché. Elle m'avait aussi donné pour conseil d'être naturel, souriant et de ne pas contenir mes émotions et sentiments. Dans un précédent entretien, vous disiez que le duo Gémini était méritant que vous. Elles ont un lien très fort entre elles et ont créé un numéro incroyable. Elles ont une histoire très forte derrière elles. Elles méritaient comme beaucoup d'autres, de remporter cette édition. Leur numéro était magnifique. Qu'est-ce qui a fait la différence entre vous Nous avons deux univers, deux personnalités et deux prestations différentes. Je pense que les numéros de pianistes classiques se font rares dans ce programme. Je pense que mon choix d'œuvre, très compliqué, a joué en ma faveur. Mon histoire, qui a créé le buzz, a sûrement aussi joué. Je pense aussi que les gens étaient heureux de me revoir. Je ne pourrai toucher les 100 000 euros que le jour de ma majorité. Que attendez-vous pour la suite J'aimerais qu'un maximum de personnes s'intéressent à la musique classique. Après cette aventure, je voudrais que beaucoup de gens s'ouvrent à cet article. J'espère que d'autres talents viendront montrer des numéros de pianistes. Je voudrais que certains brisent leur pudeur et viennent participer à l'émission. Que allez-vous faire du chèque de 100 000 euros L'émission que j'ai remportée s'appelle Incroyable Talent, je ne dépenserai pas mon argent dans des choses banales ou superficielles. J'investirai dans la musique et dans le piano. Dans tous les cas, j'ai le temps d'y réfléchir puisque je ne pourrai toucher cet argent que le jour de ma majorité. Quels sont vos projets futurs Mon rêve est de jouer dans les plus grandes scènes de France, d'Europe et du monde. Je veux vivre de ma passion pour la musique. Je ne trouve pas qu'il existe quelque chose de plus beau que de pouvoir vivre de ce que l'on aime. Je sais que je dois encore m'entraîner pour arriver à ce rêve. Je suis au conservatoire, j'ai la chance de pouvoir progresser dans plein d'aspects. Je pense que ça va beaucoup m'aider pour réaliser mes rêves.